Bien les amis, ce soir on se retrouve autour d'une vidéo bivouac caméra de chasse. Donc le concept est tout simple, on bivouac et on va poser des caméras de chasse dans la forêt autour de nous afin de capturer des images et des vidéos d'animaux D'animaux sauvages. sauvages. Alors là, ce soir je suis en compagnie de Ambre, c'est ma petite dernière, Ambre qui a 9 ans, qui a pris goût au bivouac, qui adore les animaux sauvages. Donc ce soir Ouais. on l'a ramenée, c'est un kiff pour elle, ça te plaît bien alors? Ouais. Alors la tente est en place. Ambre s'est chargée d'aménager dedans, à savoir les tapis de sol, les duvets, Il a fait du etc. ménage. du coup, nous, on va passer à l'apéro. Ensuite, on ira grailler et on ira se poser ses cames. Ouais. Bon, bien, les amis, ce soir, on se fait un petit plaisir avec la petite. Ça va être hamburger maison. C'est bon? Les amis, après ce bon petit repas qui nous a bien calé l'estomac, on va passer en mode GoPro en descendant la forêt poser les deux caméras de chasse. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Là sur cet arbre. Ouais, ce que je regardais. J'aime bien par là, tu vois. Regarde. Ouais, t'as tu vois là-dedans. Ouais, je vais en mettre une là. Alors là, les amis, je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour la première cam. Alors si j'avais un fou filé. Aïe. Ah, je peux pas passer. Comment la manquer? La cam est en place, hein. On va l'activer. Allez, c'est parti. Un moment bizarre ici. Ouais. J'espère qu'on va pas se perdre. Comment on s'est perdu? Là, là c'est un chêne, c'est pour ça qu'ils sont couchés en dessous, tu vois. C'est quoi un chêne? Ça c'est l'arbre. C'est l'arbre qui fait les glands et les sangliers viennent manger les glands. Là, ils ont creusé là. C'est ça. Là, la terre elle était retournée en dessous. On va en dessous. On va plus bas. On la met à l'endroit d'habitude ou Ouf, oh, oh. Oh les amis, je viens de m'étaler là. Je viens de m'étaler. Attends, laisse-toi. Comme une merde. Lève-toi. Attends, c'est un trou. Aïe. Comment t'es tombé? J'ai glissé là sur une pierre. Je vais en mettre la cam. Cassé? Non, j'ai du. T'as de la chance. Ouais, grave.
Bien, les amis, j'ai trouvé l'arbre par excellence. On va dégager un petit peu le bois mort et les petites brindilles là qu'il y a autour pour pas que ça déclenche la cabane intempestivement. Voilà, c'est le bon angle. Voilà, impeccable. C'est parfait. Bon les amis, la deuxième cam est en place. On va l'activer. Allez, c'est parti. En espérant que la chasse sera bonne. Donc nous, le tout là, c'est de se rappeler de sa position pour demain. Et voilà. Bon les amis, on vient de se réveiller un peu tard malheureusement. On avait prévu un réveil beaucoup plus matinal. Donc du coup on va se dépêcher d'aller récupérer les caméras de chat. C'est quoi ça? Allez, on va aller à la deuxième. On va regarder plus haut s'il y a dedans. Ouais. Merci. Allez, ça commence à tirer là, on va se dépêcher. Il faut remonter. Non, c'est de l'autre côté. Le deuxième repère. C'est ici. C'est bon, je la vois. Elle est là-bas. Plus vite. Allez, on tourne vite à la tente. Eh bien les amis, on va regarder vite fait si on a eu quelque chose. Donc on a 4 prises. Le focus n'est pas terrible. Bon, 4 prises, je pense qu'on a dû se shooter nous-mêmes en partant hier soir et en arrivant tout à l'heure. Passer sur l'autre rapidement. Quelle prise aussi. Oh ben c'est c'est moi. Je pense que les autres aussi. Bon, écoutez, on va voir ça au propre en studio. Puis
Si quelque chose est valable, je vous le diffuse de suite.